Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Dans tous les pays musulmans, ou dits musulmans, et dans tous les pays arabes, ou dits arabes, le pouvoir n'est jamais l'apanage de la souveraineté populaire. Il diffère de l'un à l'autre par sa nature, par la composante des groupes ou des gens qui le constituent. En Algérie, pendant très longtemps, depuis l'indépendance, en fait, jusqu'à la moitié de la gouvernance des frères Bouteflika, il a essentiellement reposé sur la force brutale, sur le flicage, la répression, avec l'armée en toile de fond, omniprésente, même si elle n'a pas toujours joué le rôle le plus visible. C'est elle, celle des frontières, l'armée des frontières, sous le commandement de son chef, Houari Boumedine, qui a pris le pouvoir par la force en 1962. C'est sur elle que reposera le règne de celui-ci et de tous ceux qui lui succéderont, mais sa mainmise sur le pouvoir sera plus directe quand le président Benjdid refusera d'annuler le processus électoral qui donna la victoire au fils lors des législatives de 1991. C'est à cette occasion-là qu'elle prendra la totalité du pouvoir, sans nuance, de la façon la plus brutale qui soit, et qui aura des conséquences tragiques. À quelqu'un qui lui avait fait remarquer que ce coup d'État pouvait provoquer une guerre civile, l'un des généraux putschistes, aujourd'hui disparu, avait répondu ceci. Nous sommes prêts à tuer 3 millions d'Algériens s'il le faudra. Fin de citation. En fait, 3 millions était le nombre d'électeurs qui avaient donné la victoire au fils. Cette junte, composée d'une douzaine de généraux et qui se faisait appeler par une presse aux ordres les sauveurs de la République, allait prendre la totalité du pouvoir et faire main basse sur tous les leviers économiques qui lui permirent de mettre le pays en coupe réglée. Tous les présidents qui furent désignés dans des parodies d'élections n'y jouèrent qu'un rôle de simple façade institutionnelle. Hormis deux parmi eux. L'un, le président Bodiev, qui tenta de se libérer du contrôle de la junte, qu'il qualifiait de mafia, allait être victime d'un assassinat politique. Un assassinat qui avait reçu l'aval, dit ou non dit, de l'ensemble des généraux putschistes. Et l'autre, le second, le président Zarwal, qui était pourtant un général lui-même, fut poussé à la sortie lorsqu'il tenta de discuter le pouvoir exorbitant de ses pairs. C'est à ce moment-là que Abdelaziz Bouteflika fut réimporté et installé à la présidence du pays après avoir accepté un deal en bonne et due forme, dans lequel il s'engageait à ne pas déranger l'ordre établi, c'est-à-dire celui qui faisait de la junte le principal noyau du pouvoir. Mais Bouteflika allait jouer des chances. En plus de sa redoutable ruse et de la totale absence de scrupules qui le distinguent. La junte était mal tombée cette fois-ci. Elle allait avoir affaire à rude partie. Et c'est ainsi que de péripétie, en frôlant parfois la bérésina, Abdelaziz Bouteflika allait exploser la junte. Grâce à la formidable manne financière qui lui était tombé entre les mains, il allait noyer la douzaine de généraux par la nomination de centaines d'autres qu'il galonnait à tour de bras et qu'il gavait de privilèges de toutes sortes. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il neutralisa totalement les généraux qui régnaient sur le pays. Il ne restait plus que ceux du DRS. Il entreprit alors, avec l'aide de son grand
complice Chakib Khalil et de puissances étrangères qui voulaient se débarrasser de l'encombrant Tallier, de démanteler l'épouvantable machinerie qui contrôlait tout le pays. Tous les rouages de l'État, de son plus haut sommet jusqu'au dernier président d'APC. Personne n'avait cru que le président Bouteflika allait pouvoir terrasser l'hydre de l'Erne. C'était mission impossible. Impossible de couper autant de têtes. C'est pourtant ce qui advint. Le DRS fut totalement éradiqué, puis décapité. Si le président Bouteflika avait réussi cette prouesse pour des objectifs plus nobles, c'est-à-dire libérer le pays et rendre le pouvoir aux Algériens, il serait rentré dans l'histoire par sa plus grande porte. Mais il n'a entrepris et réalisé et réussi cette incroyable gageure que parce qu'il voulait être le seul maître à bord et non pas un trois quarts de président, comme il disait. Il est très important de relever que Abdelaziz Bouteflika n'était pas seul. À ses côtés, entre autres de nombreux personnages qui l'ont rallié et qui l'ont servi inconditionnellement, deux hommes, son frère Saïd et Chakib Khalil, son ami de toujours, le fils de la maison. C'est grâce à ce dernier qu'il a pu disposer d'une confortable caisse noire qui lui a permis d'acheter en bon argent de nombreux décideurs et de nouveaux relais. Mais Saïd fut pour lui l'inépuisable matière grise, la vision lucide, la détermination inébranlable, le mentor avisé. En plus d'avoir été celui qui donna naissance à une oligarchie financière particulièrement vorace. Il fut le principal conseiller de son frère, dans le sens le plus plein du terme, dès le premier mandat, par ailleurs. Mais c'est en 2005, quand la santé du président commença à décliner, qu'il prit progressivement la direction des opérations, jusqu'à être le seul maître à bord. Le président en titre n'était plus là que pour de la figuration. En 2013, quand le président Bouteflika fut foudroyé par une attaque cérébrale qui le priva de la quasi-totalité de ses facultés mentales, Saïd s'empara alors de tous les leviers sans que personne ne le vît, du moins sans que personne de la rue ne le vît, et se servit abondamment des subsides et des privilèges qui étaient à sa dévotion pour se ménager des fidélités dans tous les cercles de décision politique, tout particulièrement au sein du commandement de l'armée. Il parvint non seulement à aller jusqu'au bout du troisième mandat de son frère, dont il utilisait la vitrine officielle, mais il put le faire réélire, entre guillemets réélire, à un quatrième mandat, alors que celui-ci était dans la plus totale incapacité de réciter la table de multiplication de 2. Et l'on parle même, en ce moment, de la possibilité de faire rempiler le président invalide à un cinquième mandat. La grande question est pourquoi l'énigmatique Saïd ne se présente-t-il pas lui-même aujourd'hui? Algérie Focus, présidentielle 2019, naissance d'un comité de soutien à la candidature de Saïd Bouteflika en France par la rédaction Le Monde Afrique. Comment Saïd Bouteflika est devenu mon monsieur frère par Amira Kef et Charlotte Bozonnet. Jeune Afrique, Algérie. Quel est le pouvoir de Saïd Bouteflika, le très influent frère du président, par Farid Alilat. L'énigmatique Saïd Bouteflika, et pour en parler aujourd'hui, Saïd Aknine avec moi, militant pour les droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec moi.
Bonsoir Jamel Dine, merci bonsoir. Pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci, bonsoir. Alors, au téléphone depuis Alger, nous aurons Mohamed Ben Hammou, président du parti Al-Karama, Saad Bouakba, chroniqueur d'Al-Khabar, et Soufiane Gilali, président de Gil Jadid. Et nous allons commencer par Soufiane Gilali, qui nous a demandé de le libérer le plus tôt possible. Soufiane Gilali, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, vous avez entendu parler de ce comité de soutien à Saïd Bouteflika, de la même manière qu'une association qui s'appelle La Radieuse à Oran a remis un trophée symbolique à Saïd Bouteflika, de la même manière qu'ici, à Ella, à droite et à gauche, certains appellent de leur vœu sa décision de se porter pour 2019. Oui, absolument. Depuis quelques semaines, en fait, il y a comme ça des tentatives d'imposer l'idée d'un comité de soutien aux frères du président. On a vu, il y a eu une tentative sur Gherdaya, lorsqu'il voulait réunir tout un groupe. Ils sont sortis avec, au final, d'autres conclusions. Mais le fait est que ça bouge ainsi, comme des feux follets par-ci, par-là. Et très souvent, le régime algérien avait procédé de la sorte, c'est-à-dire il lance des ballons sondes et il voit un peu la réaction des uns et des autres pour ajuster son action. D'ailleurs, il faut rappeler que depuis quelques mois, il y a eu ces tentatives de sortie publique du frère du président le jour où il y a eu la manifestation pour soutenir Rachid Boudjadra contre une émission un peu offensante sur une des chaînes. Il y a eu cette tentative de sortie du président dans la rue, où il a été rejeté par les manifestants d'ailleurs. Oui, mais par ailleurs, lors de la fameuse affaire d'El Alia et de cet accrochage avec Tebboune, où il a montré que Tebboune allait disparaître, il s'est servi de tous les moyens de la présidence, le protocole, la voiture, le chauffeur de la présidence, pour dire « je suis là quasiment en qualité de chef d'État ». Absolument, on l'avait noté d'ailleurs et j'étais intervenu sur votre chaîne pour le dire directement qu'il avait utilisé les moyens d'un président de la République et que c'était absolument anormal, d'autant plus que la guéguerre qui s'était ouverte contre l'ex-premier ministre Tebboune s'est soldée par le départ de celui-ci presque manu militari. Il a été éjecté sans aucune autre forme de procès, ce qui démontrait à l'évidence un coup de force, encore une fois, à l'intérieur du régime. Mais tout cela, vous savez, ça donne une image d'un régime fissuré qui ne sait plus trop où donner de la tête. Il est évident que le clan présidentiel ne veut pas lâcher la proie parce que petit à petit, au cours de ces 18 années de règne, sans partage à la limite, le pouvoir s'était dessiné un régime d'une nouvelle nature. Et à la fin du mandat, la peur est là que s'il devait y avoir un changement à la tête du pays, il y aura en même temps des règlements de compte. Et je crois que la famille autour du camp présidentiel est prise, disons, d'une peur assez profonde. Ce qui les pousse à parler même d'un éventuel cinquième mandat si le frère du président lui-même n'étant pas adoubé. Mais avouez Soufiane Gilali, avouez que M. Saïd Bouteflika est un véritable maestro. Le bonhomme qui réussit à gouverner quasiment depuis 2005. La maladie de son frère, lors de l'accident, l'AVC de son frère, 2013, à lui faire finir un mandat alors que le président titre était totalement déconnecté. Puis, plus que ça, la gageure, l'incroyable, l'historique, j'allais dire, gageure, de le faire rempiler un quatrième mandat alors qu'il n'a même pas pu faire sa campagne électorale. Et de faire admettre à tout le monde, un peu tout le monde, les intellectuels, la presse, les médias, les partis politiques, les partenaires étrangers, que c'est Bouteflika Abdelaziz qui commande, alors que tout le monde sait que c'est Saïd Bouteflika qui est le véritable chef d'État. Il faut avouer que ce n'est pas rien.
Écoutez, je pense qu'il faut relativiser les choses. Je ne crois pas qu'il agisse comme un nouveau dictateur. Je pense qu'il y a un partage de rôle où Yahya, Sellel, le chef d'état-major, les responsables des partis politiques, en particulier le FLN, tout cela ont joué un rôle de... Ils se sont partagés parce qu'en fait, comme aucune tête ne pouvait émerger pour rassembler tout ce monde-là, ils se sont entendus par complicité à se partager le pouvoir. Probablement le frère du président, au nom de la légitimité, entre guillemets, de son frère, avait un rôle central, mais il est loin d'être seul dans l'affaire. Je pense que c'est tout un système qui s'est cristallisé autour de lui, mais sur la base d'une complicité. Et or, c'est cette complicité-là qui pose problème maintenant, à la fin du quatrième mandat. Alors, s'il n'arrive pas à trouver le remplaçant, le successeur, eh bien, ils seront encore une fois complices pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire aller vers un cinquième mandat. Merci, Soufiane Gilali, au plaisir de vous revoir. Saïd Bouakba, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Saïd Bouakba, Awalan. نتكلم معك بالعربية اختك تفضل تتكلم بالعربية ولو تتكلم بالفرنسية تلاقينا في لندن وحكينا بالفرنسية حتى نشبعنا ولكن تتفضل تتكلم بالعربية لماذا دبر على حسابك يا هل ترى سعيد هو اللي راه في الحكم حقيقة هو اللي يسير في الأمور ولا حقيقة عبد العزيز بوتفليقة مازال في الميدان هو قبل حتى قبل عامين كان هو اللي ينفذ في سياسة خوه بطبيعة الحال كان في الرئاسة هو اللي يسيطر على الحكومة ويسيطر حتى على المؤسسة العسكرية لكن منذ سنتين تقريبا أو سنة ونص بدأت الرئاسة تفقد شيئا فشيئا سيطرتها على المؤسسة العسكرية الآن الرئاسة شبه فاقدة للإشراف على المؤسسة العسكرية ولا شبه أوتونوم في تسيرها لشؤونها بدليل أن ولا تستاتيكو فيما يتعلق بالترقيات من عامين ما شفناش فريق ترقى يعني في الجيش ما شفناش ضباط كبار ما شفناش اجتماع الرئيس مع المؤسسة العسكرية وما هوش مبرر المرض أنه ما ينجمش يجتمع معها لأنه راح دس الأوبرا ودس قاعة المؤتمرات في قطر الأمم كان ينجم ينتقل لوزارة الدفاع ويجتمع بالضباط ولكن لم يحصل هذا منذ عامين تقريبا وهذا يبين باللي هناك مشكلة في علاقة الجيش بالرئاسة ما زاد في الأمر أيضا هو أن الرئيس كان ربما يمارس عن طريق السعيد لإشراف على المؤسسة العسكرية بواسطة ويحيى لما كان في الرئاسة لكن الآن ويحيى انتقل إلى رئاسة الحكومة وبالتالي لم تعد الرئاسة قادرة على مخاطبة الجيش بصورة مباشرة عن طريق الشرعية لأن يا الرئيس يا رئيس الحكومة ولهذا شفنا تنطاتيف تاع نقل بعض الصلاحيات من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة ولكن سعد بوعقبة سامحني شكون تعني أنت لما تقول رئاسة سعيد بوتفليقة ولا عبد العزيز بوتفليقة؟ المؤسسة كلها لا لا بس على حسابك شكون الرئيس الفعلي كان لو بريزيدون افكتيف بطبيعه الحال الرئيس التنفيذي هو سعيد بوتفليقه يعني لان الاخر بطبيعه الحال هو الواسطه بيناتهم الفعلي هو الرئيس بوتفليقه ولكن التنفيذي هو سعيد لان هو اللي يعيط للناس وهو اللي يسير الناس هو اللي يسير الاحزاب وهو اللي يسير لاناندي ويسير لافلان يعني ويسير الولايات ويسير الوزراء ويبدو ان المؤسسه العسكريه الان لا يستطيع تسييرها واصبحت شبه
autonome, تسير ذاتيا. Justement, justement, سعيد بو عقبة, لماذا في حسابك, لماذا الجيش اللي كان دائما هو مول مول المول كما يقولوا, هو المسير الحقيقي للأمور, لماذا راه ساكت على الوضع هذا وقابل باللي إنسان مستشار سامبل كونسيي لا بريزيدونس ولا هو الرئيس الحقيقي والفعلي؟ بطبيعة الحال لأن قدامه حلين, يا أنه يدير يرغب باتجاه انتخابات رئاسية مسبقة, وهذا ما ينجمش يديره الرئيس لأنه رافض يدير هذه العملية هذه ويقول لازم ننتهي للماندا العادية, أو يروحوا المرحلة الانتقالية والجيش مازال عنده العرعورة تاع 92, وبالتالي ما يحبش يعمل العمل خارج الدستور ويخلي الأمور تمشي إلى منتهاها. الرئيس ومجموعة الرئاسة والمدنيين المحيطين به يرون في 2019 هي المرحلة الأخيرة لعودة الجيش للكازرنات وخرجوا من 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 السياسة, وبالتالي يقترحوا الرئيس يكون مدني. ولكن سعد بو عقبة, ولكن الجيش اللي ماهوش حاب يخرج من الإطار الدستوري للوضع, ولكن في الحقيقة رانا خارجين من الإطار الدستوري مادام الكونسي كونستيتيسيونيل ما حبش يطبق المادة اللي باش تدي الطب يشوفوا يفصحوا الرئيس ويقولوا لنا إذا راه مريض ولا مش مريض, إذا يقدر يكمل مهامه ولا لا. أنا معك, الجيش الآن تحت في مطب هو أنه يحمي الاعتداء على الدستور بشرعية الدستور, يقول لك أن البقاء في إطار الدستور هو في الحقيقة يحمي في اللاشرعية وفي الاعتداء على الدستور, لأن انتخابات مزورة بشكل فاضح 10% فقط يشاركوا فيها, ورئاسة شبه فارغة, واعتداء على الدستور في 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 العديد من المواقع, والجيش يقول أنا خاطيني ما ندخلش لأن من صلاحياتي أنني لا أمس بالدستور. هو في الحقيقة يحمي عمليات المساس بالدستور نفسها, وهذا ما يعني نجم نفهموه, لأن الضربة اللي كلاها الجيش في 92 وما تلاه من مشاكل يخليه كما يقول المثل الشعبي اللي قصوا الحنش يخاف بالطرفة, يعني عنده الحق أنهم يقولوا ما ندخلوش حتى ولو كان الناس المدنيين قاعدين يعبدوا بالدستور ويعبدوا بالشرعية تاع الشعب. حقيقة عندهم من هذا الزاوية عندهم الحق, ولكن يتحملوا مسؤولية لأنهم هما اللي وصلوا البلد إلى هذه الوضعية. سؤال آخر باختصار سعد بو عقبة, لماذا حسابك أنت سعيد بوتفليقة ما يترشحش؟ ما يمكنش يترشح لنا. شوف, اولا انا سمعت التدخلات تاع بعض الاخوان يقولوا باللي راه لجان تاع مسانده في غردايه, وحده في وهران, وحده في فرنسا وفي الزوايا. في الحقيقه هذه يمكن تكون بتحريك من الناس المضادين للسعيد, ما ينهيوه نهائيا, لان ما يجيش في عقلي انا باللي غردايه اللي عرفت المشاكل في عهد بوتفليقه هي اللي تكون فيها لجنة مساندة للسعيد, وما يجيش في عقلي أن ما يطرح من جهوية في 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 في, في نظام بوتفليقة أن لجنة المساندة تكون من وهران, وما يجيش في عقلي أيضا أن سعيد بوتفليقة عنده في الزوايا وهو طوسكي وعنده إشعاع في الزوايا, وما يجيش في عقلي أيضا أنه عنده شعبية في فرنسا أكثر من بقية الناس الأخرين. يعني الوقائع تدل على أن اللي يحركوا هذه ممكن الناس اللي مضادين لسعيد. زيد قعد معنا شوية سعد بو عقبة, وعلى حسابك على حسابك هذا الصلاحيات الجدد اللي تاع ويحيى, وش تخمم فيها؟ بطبيعة الحال لأن هذه الصلاحيات نقلها, لأن إذا كان المؤسسات الرئيسية كما الجيش وسوناطراك والقطاع الاقتصادي الحيوي والمؤسسات المهمة كالأمن والداخلية أصبحت متح يعني كما يقولوا متحرزة من حكاية أنها تتلقى الأوامر من رئاسة ما فيهاش أمين عام وما فيهاش رئيس ديوان
وما فيها غير مستشار يعني ما يقبلوش انهم يتلقوا اوامر من مستشار، وبالتالي نقلوا الصلاحيات من الرئاسه الى رئاسه الحكومه على الاقل اعطاه حساب عشريا لرئيس الحكومه، رئيس حكومه تمام او وزير اول، وبالتالي هذا النقل هو عمليه تاع تسيير الامور حتى 2019 باش ما توقعش اصطدامات بين الذين يرفضون تسيير المؤسسات الحيويه بناس غير شرعيين والمؤسسه تاع الحكومه. يعني هم مضطرين انهم ينقلوا هذه الصلاحيات لرئاسه الحكومه رغم ان هذه مضاده للدستور، لان الدستور عدلوه المره اللي فاتت بحجه ازدواجيه السلطه التنفيذيه، قالوا جزء من السلطه التنفيذيه عند رئيس الحكومه وجزء عند رئيس الجمهوريه وهذا غير طبيعي، عاودوا عدلوا الدستور ونقلوا صلاحيات على رئيس الحكومه الى رئيس الجمهوريه، الان مضطروا يعاودوا يديروا بمراسيم يلغيوا الدستور ويعاودوا ينقلوا الصلاحيات لرئاسه الحكومه. شكرا يعني شكرا بس بالدستور. شكرا سعد بو عقبه، الى اللقاء. سعيد أكنين، سعيد سعيدة. maintenant il y a سعيد أكنين، vous restez vous et محمد بن حمو. donc nous allons essayer d'échanger un peu vos points de vue respectifs. سعيد سعيد، que pensez-vous de سعيد؟ moi d'abord c'est سعيد. c'est pas la même chose. c'est سعيد، ça s'écrit E 2 S A I D. E 2 S A I D. Oui. le S de sincérité en plus. okay, je ne vous le fais pas dire, en effet. Donc, ce Saïd, qui pour moi n'est autre qu'une énigme, parfois on peut l'appeler ainsi, une énigme clanique, non pas simplement maintenant à définir... Qu'est-ce que vous voulez dire? Maintenant à définir le périmètre du clan, il faut une étude chirurgicale à la fois empirique par rapport à plusieurs facteurs, dont la traversée du désert de l'actuel chef d'État, qui est infime et auquel on souhaite un prompt rétablissement, parce qu'il y a différence entre le cannibalisme clanique et la sincérité des richesses populaires. Le peuple, même si on lui manque du respect, il lui arrive parfois d'avoir de la hauteur et de ne pas à son tour manquer de respect. Il est connu par être un professeur, un enseignant à l'université de Babzouar en informatique. Il paraît que c'est un trotskiste, lambertiste et s'en fait rire. Pourquoi que s'en oui. fait rire? Eh oui, les gens changent. Hein, c'est... Là, c'est l'incarnation du pouvoir qui corrompt. Ouais. Du pouvoir qui fait oublier d'où on vient. Mais il n'est pas le seul, Saïd, je me permets de vous interrompre. La plupart des trotskistes algériens, des paxistes, la plupart se sont reconvertis à une vitesse fulgurante en même temps qu'ils sont remplis les poches. Hein. C'est un secret de polichinelle. Il y a quand même ceux qui sont restés intègres, et là je pense à Sadr Hajaros. Sadr Hajaros est vraiment une exception. Pas vraiment. C'est une lumière humaine, d'ailleurs, oui, oui. auquel... Quel homme et quel destin, j'allais dire. Hein, c'est... Mais c'est l'incarnation de la grandeur oui. associée à l'humilité oui. et à la constance. C'est très juste ce que vous dites là, c'est très juste. En 2005, suite à ce qui s'était passé, ce qu'on nous a présenté comme un ulcère, il paraît, selon certaines informations, que c'était déjà une attaque. C'est-à-dire oui, on dit que c'était une première attaque. Oui. Et là, justement, on a vu... Systémique, c'était un AIT. On a vu l'intrusion du frère, oui. du jeune frère maintenant. Pourquoi cette intrusion? Est-ce que c'est par efficacité, c'est-à-dire sa propre efficacité? Cette préférence est dû à son talent, son efficacité, ce qu'on lui prête actuellement comme génie de manipulation, mmh. ou c'est dû à d'autres considérations qu'on ignore. Mmh. Et puis là où il a vraiment pris les rênes, c'était en 2013. Oui.
en 2013. Après l'attaque. L'attaque qui a complètement terrassé, dont le chef de l'État a été transféré au Val de Grâce, par la suite aux Invalides. Oui. Et aux Invalides, on l'a transféré aux Invalides, c'est pour des soins un peu plus poussés pour qu'on puisse lui permettre de parler et ainsi apporter de l'aide à son frère qui, à un certain moment, selon certains dires, qui décidait de tout, allant jusqu'à interdire à un premier ministre ou à un ministre ou même à un responsable militaire de voir son frère, ainsi de suite. Oui. Ça, c'est la cuisine clanique. Énigme ou pas, aujourd'hui, le pays se trouve dans une impasse historique. Cette impasse, elle est économique, politique, historique et culturelle. Énigme ou pas, qu'on le voit derrière le rideau ou devant le rideau, parce que quand il veut, il se montre derrière le rideau pour envoyer un signe, pour peut-être lancer un ballon de sonde, pour peut-être manipuler une partie de l'opinion. Mais la question que je me pose, on connaît bien la ruse de la Stasi algérienne, le DRS, qui détient des dossiers, y compris sur le cordonnier du coin, y compris sur le vendeur à la sauvette, y compris sur le militant de la région la plus reculée du monde. Oui. Pourquoi qu'ils ne disent rien quant à ce personnage ? Et c'est là la grande question, Saïd. Comment se fait-il ? Je vous repose la question que vous posez vous-même. Comment se fait-il que le DRS, qui aujourd'hui est l'ennemi déclaré de Saïd, du moins c'est ce qu'on dit, ne dit-il rien sur Saïd ? Ça veut dire qu'on a des dossiers sur tout le monde, et sur Saïd, dont on dit qu'il est riche, qu'il a réussi à détourner des milliards de dollars, rien ne filtre sur lui. C'est pas possible. Il n'y a rien sur lui. Il y a le cinéma hollywoodien, oui. Il y a le cinéma bollywoodien, et il y a aussi le cinéma algérien. Le cinéma algérien, ce n'est pas celui qui permet à des acteurs d'avoir accès à des Oscars. Ce n'est pas celui qui subjugue les cinéphiles par un art ou la maîtrise d'un certain nombre de choses dans cet art. Mais c'est celui qui sait endormir et celui qui sait protéger les siens quand il faut. Mais il faut dire qu'il est balèze hein, pour réussir à être au cœur de la problématique et dans un système où tout le monde balance sur tout le monde. Et d'être le seul qui ait été sauvegardé sur lequel il n'y a rien, c'est bien Saïd Bouteflika. Mais franchement, Jemel Din, ne pensez-vous pas que c'est le produit idéal pour constituer le Poutine Bull ? Sinon, celui qui va dévier les attentions de par son profil. Quand le chef de l'État avait fait son discours à Sétif, oui, et qu'il disait « Tabjnana », oui, à qui il est fort probable, moi je ne fais pas dans la rétention psychologique, je ne sais pas à quoi il pensait à cet instant-là. Oui. Ce dont je suis certain qu'il ne pensait pas à une Algérie heureuse, sinon elle serait aujourd'hui heureuse. Ne pensait-il pas à son frère ? C'est un produit parfait dans ce scénario. D'après vous, en disant Tabjinana, il préparait l'avènement de son frère pour le remplacer. Fort probable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le produit, jeune, civil, instruit, énigmatique, mystérieux, il a toutes les qualités. Et nous allons demander à Mohamed Ben Hammo qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mohamed Ben Hammo. Merci. Bonsoir. D'après vous, est-ce que c'est Saïd Bouteflika qui dirige le pays à la place de son frère ou est-ce que c'est Abdelaziz Bouteflika qui est toujours là à diriger, même s'il ne parle pas, même s'il ne marche pas? Vous savez, moi je suis légaliste et je suis un homme de droit. Et pour nous, en Algérie, pour les Algériens, le président de l'Algérie, c'est Abdelaziz Bouteflika. Pardon, juste, je vous interromps une fois et je ne vous interromps plus. Je vous interromps une fois. Comme vous dites pour nous, les Algériens, vous êtes le représentant de tous les Algériens ? Non, je suis un président de parti politique. Et j'ai une frange d'Algériens qui sont avec moi. Peut-être j'ai 2% dans l'échiquier politique. Alors ne parlez pas au nom de tous les Algériens, parlez en votre nom.
Oui, d'accord. Mais nous, quand je dis nous, Algériens, les Algériens sincères, les Algériens qui veulent du bien pour leur pays, ces Algériens-là vous disent que vous êtes vraiment à côté de la plaque, vous, mon cher ami, et tous ceux qui pensent que l'Algérie vit mal. L'Algérie a un combat, elle veut éradiquer le chômage, elle veut éradiquer la misère, elle veut éradiquer le passé malheureux. Nous voulons une Algérie nouvelle, nous voulons une Algérie où il y a une démocratie. Cette démocratie, il faut l'asseoir petit à petit, c'est ce que nous faisons avec les élections prochaines du 23 novembre. Nous nous préparons vraiment sérieusement et le travail, il est là. Les partis politiques, maintenant, ils sont sur le terrain à expliquer aux Algériens que le vrai événement, c'est ces élections municipales, parce que le vrai combat et le vrai défi, c'est comment développer nos régions, comment que les Algériens, comment nous, en tant que responsables, en tant que maire, en tant que Wali, en tant que représentants du peuple, comment on peut améliorer le quotidien de l'Algérien. Moi, j'ai écouté avec attention et bienveillance les uns et les autres. Moi, je crois que vous êtes à côté de la plaque. Parce que, sincèrement, vous attribuez des titres, vous attribuez des sujets comme ça, à gauche, à droite, vous voulez en venir à quoi? Moi, je crois que les élections présidentielles sont encore lointaines. 2019, c'est encore loin. Je crois qu'il faudrait beaucoup plus s'attaquer aux vrais problèmes des Algériens. Mohamed Benhamou, oui. Quand Wild Abbas dit que Rabbi ولا فلان يعلم شكون الرئيس تاع 2019, il dit seul Dieu et nous savons qui sera le président 2019. Il pensait à Saïd Bouteflika ou à Abdelaziz Bouteflika? Non, d'abord ça n'incombe que lui, il est responsable de ses paroles et de ses actes. Il est majeur et vacciné. Monsieur Wild Abbas est secrétaire général du FLN, le premier parti sur l'échiquier politique, et il a comme président du parti Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est normal qu'il défende son parti, qu'il voudrait bien que le prochain président sera toujours du FLN. C'est légitime, c'est son problème. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il a, il détient la science infuse. Et moi, j'ai toujours dit, pas en ironisant, mais en ouvrant une parenthèse, il faut être Wild Abbas pour dire ça. Donc, pourquoi on s'acharne et on retient que les choses qui peuvent apporter, je ne sais pas, comme il a dit notre ami, être énigmatique? Moi, je pense que M. Saïd Bouteflika reste un personnage sage, très discret sur oui, la scène. Mohamed Benhamou, moi je vous pose la question, on va rester terre à terre, on va être sage. D'accord. Oui. Saïd Bouteflika est un homme sage. Mais normalement, c'est un simple conseiller à la présidence. Pourquoi on ne parle que de lui? Pourquoi on ne voit que lui? Au nom de quoi? Est-ce que être le frère du président vous donne le droit d'être aussi visible, de sauter les gens, de nommer, de limoger, d'être omniprésent? Est-ce qu'il a le droit qu'on le propose comme président des comités de soutien en France, en Algérie? Écoutez, c'est mais ça, répondez-moi, ça, c'est vous. Mais répondez-moi directement, il ne faut pas tourner autour du pot. Non, ça c'est vous qui le dites. D'accord. Moi je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a été limogé ou qui a été démis de ses fonctions venir sur un plateau de télévision ou de radio et dire, ou sur un journal, et dire c'est M. Saïd Bouteflika qui m'a limogé. Jamais, au grand jamais. Tous les ministres qui sont partis, tous les responsables, héros et hauts responsables qui sont partis, aucun n'est venu sur un plateau de télévision dire que c'est M. Saïd Bouteflika qui a été derrière ou qui a été... Donc Saïd Bouteflika est un simple conseiller à la présidence. Saïd Bouteflika, c'est le frère du président. Mais le frère, est-ce que ça lui donne le droit? Moi, je suis sur Alger. Et je pose la question. Saïd Bouteflika, on le voit de temps en temps, dans sa voiture, il conduit tout seul, dans les rues, sur les rues d'Alger. Jamais, jamais, il a porté atteinte à quelqu'un. Jamais, il a essayé
Est-ce que vous avez vu les images, Mohamed Benhamou, je vais poser une question claire, répondez-moi. Est-ce que vous avez vu les images de Saïd Boutoulikha? On va essayer de les passer pendant que vous parlez. En train de regarder pied les membres du Conseil des ministres derrière un rideau. Est-ce que vous avez vu Saïd Boutoulikha lors de du discours d'investiture de son frère, quand son frère, quand le président a commencé à dérailler? Est-ce que vous avez vu Saïd Boutoulikha? Vous allez voir les images. Envoyer un gars du protocole retirer les feuilles du discours de sous les mains du président. Est-ce que vous avez vu ça ou non? Écoutez, moi je l'ai vu pas sur les YouTube ou sur les chaînes de télé. Je l'ai vu en direct. Écoutez, Saïd Boutoulikha est un homme discret. Il vit dans l'ombre de son frère. C'est tout à fait normal. Il est conseiller à la présidence, conseiller de son frère. C'est tout à fait normal que des fois il intervient quand il voit quelque chose qui n'est pas normal. Mais néanmoins, il reste un simple conseiller de son frère à la présidence. Donc vous accordez des choses qui ne sont pas réelles. C'est vous fabulez. C'est permis de rêver. C'est permis de faire de penser. Vous avez tout à fait raison de penser ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la réalité. Il faut que les Algériens comprennent ça, que ce que vous faites. Ce que vous faites comme information, ce que vous donnez comme information, vous êtes en train de détourner les Algériens sur des faux problèmes. Nous avons besoin, si vous voulez qu'on discute des vrais problèmes d'Algérie, nous avons besoin de dire si l'Algérie se porte bien dans les domaines économiques. Mais sinon, sur le plan politique, il y a des partis politiques d'opposition. Moi, je n'ai jamais entendu un parti d'opposition en Algérie, que ce soit Hamas ou M. Benflis ou X ou Y, dire que Saïd Boutoulikha s'insurge ou Saïd Boutoulikha est le vrai président. Restez avec nous, Mohamed Benhamou. Saïd Aknin, donc voilà, Mohamed Benhamou nous dit Saïd Boutoulikha est un conseiller, Nesmlah, sage, il n'a jamais frappé quelqu'un, il n'a jamais porté atteinte à quelqu'un, il n'a jamais nommé ni dégommé qui que ce soit. Khaté. Il est libre de dire ce qu'il souhaite, juste qu'il sera redevable devant l'histoire, parce qu'aujourd'hui, on peut taire certaines choses. Regardez, il y a certains qui avaient des positions en 1992 éradicatrices. Aujourd'hui, ils en ont honte de dire qu'effectivement, nous avons cautionné ceux qui voulaient tuer 3 millions d'êtres humains en Algérie. Il n'y a d'aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a de sourd que celui qui ne veut pas entendre. Maintenant, votre avis, vous, est-ce que Saïd, très franchement, est-ce que Saïd Bouteflika est réellement l'homme fort de ce régime? Et si vous allez me répondre oui, je vous demanderai de répondre tout de suite après. Pourquoi l'armée accepte? Pourquoi l'armée qui a la possibilité de nommer qui elle veut, pourquoi elle dit, allez, prends ton frère et dégagez. Nous, on va ramener quelqu'un d'autre qui soit plus présentable, plus sportif. Et de toute façon, il sera aux ordres. Pourquoi l'armée s'embarrasse-t-elle d'un tel poids mort? Pourquoi? L'armée, par la voix de son responsable, Gaïd Salah, quand il y avait eu toute la polémique autour de l'article 102, parce que qu'est-ce qui nous ramène aujourd'hui à parler de Saïd Bouteflika? C'est le quatrième mandat, c'est l'incapacité, l'invalidité de chef de l'État, et c'est en incapacité à assumer ses responsabilités. Sinon, un grand peuple qui a fait l'une des grandes guerres qui reste encore dans l'histoire de l'humanité. Le 1er novembre, on n'adresse pas un message, on n'adresse pas une lettre à un grand peuple, on s'adresse à ce peuple. Est-ce qu'il s'est adressé à ce peuple? Absolument pas. Ce qui fait dire qu'aujourd'hui, pourtant, on nous dit qu'il a... François Hollande, il a discuté avec moi pendant 2 heures. L'Akhdar Brahimi, il a dit on parle de sujets très complexes. Renouchi, tout le monde a dit non, nous avons discuté avec lui, il parle, il s'exprime. Il n'y a que le peuple algérien qui n'a pas parlé avec lui. Et pourquoi? Pour moi, le plus important, ce n'est ni Renouchi, ni Hollande, ni la concomitance régionale,
ni la concomitance internationale, ni les frais à payer pour une diplomatie de sous-traitance et de concomitance pour qu'on puisse valider un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce chef de l'État, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'il n'a pas adressé la parole au peuple. Voici, ça c'est un fait. Maintenant, la situation du pays. La situation du pays, nous sommes devant une impasse historique, une impasse économique. L'économie aujourd'hui, quand on parle de planche à billets, quand on parle du canif qui a atteint l'os, quand on parle aujourd'hui de la situation des jeunes, 30% des jeunes aujourd'hui sont au chômage. Il y a un déficit en matière de logement de 2 millions de logements. Il y a 5 millions de retraités qui vivent en précarité. Il y a 13 millions de travailleurs pauvres. Il y a encore des maladies qui ont disparu de certains pays et qui reviennent, les maladies de la misère. Aujourd'hui, devant cette situation, il ne faut pas essayer de se jeter de laurier ou de mentir au peuple, parce qu'il y a certains qui se prennent pour les Algérianomètres. C'est devant eux, il y a le mercure qui monte ou le mercure qui baisse, et c'est eux qui définissent l'algérianité. C'est quoi l'algérianité aujourd'hui? La première des algérianités, c'est de chercher la dignité. Et la dignité, c'est quoi? C'est de dire la vérité. Et parce qu'aujourd'hui, quand on va voir les jeunes dans la rue, c'est 30% de chômeurs dans la rue. Ce n'est pas ce discours de X ou de Y, se gargarisant d'un certain nombre de chiffres qui sont complètement faux et qui mènent le pays vers le désastre. Quand on voit ce qui s'était passé devant le CCIF, quand on voit les embargations de fortune que certains essayent d'emprunter pour pouvoir aller chercher l'exil, aller même au prix de l'illusion, ça c'est une vérité, ça c'est une réalité, et ça c'est pas un mensonge, et ça c'est les vrais Algériens. Merci Saïd. Nous allons donner la parole à Mohamed Ben Hammou pour qu'il ne dise pas que nous l'avons lésé. Mohamed Ben Hammou, alors qu'est-ce que vous pourriez répondre à Saïd Aknin? Saïd Aknin, il a une bonne rhétorique. Un beau français, à l'entendre parler, c'est magnifique. Mais je crois que M. Saïd devrait, prendre la responsabilité devant l'histoire, parce que, vous savez, c'est très simple de sortir de sa bouche des paroles qui sont cinglantes et des paroles qui poussent les jeunes à penser que leur pays est en faillite, or que. Alors, comment on explique que cette Algérie de 2017, qui construit encore des logements, qui distribue des logements gratuitement aux jeunes mariés, aux Algériens, cette Algérie de Bouteflika et du gouvernement actuel, au Yahya, de Gaïd Salah, de l'Hamel, de X, de tous les responsables algériens actuels, cette Algérie qui, au jour, le jour, s'améliore. Je vis en Algérie, je l'ai toujours dit, je vis en Algérie. Et je sillonne l'Algérie. Nous sommes en train de progresser. Nous ne sommes pas devant une impasse. J'ai été à Brienne hier. Je vais à Élysée, je vais à Tindouf. Les Algériens vous disent une seule chose. La paix et la sécurité n'ont pas de prix. Au moment où les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la France souffrent, ont peur de sortir, de s'attabler autour d'un café sur une terrasse, nous les Algériens, nous vivons dans la paix, dans la sécurité et la stabilité. Il nous faut du temps pour qu'on puisse rattraper le retard, mais pas de la façon dont parle M. Saïd. Nous avons besoin de prôner l'espoir, de donner l'espoir aux jeunes. Les jeunes dont vous parlez, qu'ils étaient partis devant le CCF, c'est tout à fait normal, ça se passe dans tous les États du monde. Il y a des milliers de Français au Yémen, en Arabie, en Russie. Les gens aiment sortir, aiment voyager. Surtout les jeunes Algériens ont besoin de peut-être de partir à l'étranger, de partir en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas trouvé de travail chez eux. Ce n'est pas parce que les jeunes Algériens en ont marre de leur pays. Non, c'est vous, monsieur,
qui leur donnait cette fausse illusion de dire que l'Algérie ne va pas. Je ne suis pas d'accord. L'Algérie va très bien. Il nous faut juste nous donner du temps et nous laisser tranquilles. Moi, j'aurais été Bouteflika. J'aurais mis plein de personnes devant leurs responsabilités. Parce et que nous arrivons à la fin, Mohamed Ben Hammou. C'est dommage. Mais on vous réinvitera encore... On vous réinvitera pour nous insulter encore et encore. Sincèrement, il faudrait que les gens, que ces gens-là... Il n'y a aucun souci, M. Ben Hammou, on vous réinvite, et on vous laissera la parole. Saïd Dakhnine, en moins d'une minute. Vous avez insisté parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Vous savez, les richesses populaires viennent d'entendre l'innommable. L'innommable, c'est ceux qui sont dans l'Algérie d'en haut, qui profitent des privilèges et qui disent que tout va bien. C'est cette Algérie du premier collège qui ont accès et qui disent que nous sommes dans les salons des mondanités de l'Algérois. Aujourd'hui, les richesses populaires, c'est Alger, mais non seulement. C'est le Rouat, c'est la Kabylie, c'est Stif, c'est Ouharan, c'est cette Algérie profonde. Cette Algérie profonde, aujourd'hui, elle souffre. Mais comment on... 54, elle a arraché sa liberté. Pas avec certains, on connaît l'histoire, mais elle va arracher ce droit à l'autodétermination, ce droit à la souveraineté populaire. Les richesses populaires, la jeunesse aujourd'hui, elle souffre. C'est vrai, on le voit. Et dire le contraire, c'est de mentir. Mais ils font de cette souffrance une résilience. Et demain, nous n'appartiennent pas à cette génération qui a spolié le pays. Demain appartient à cette jeunesse et demain nous allons le construire. Et le rêve algérien, il est intact. C'est le rêve de la liberté, c'est le rêve de l'amour, c'est le rêve de la construction d'une Algérie démocratique et sociale. Merci Saïd, ce sera le mot de la fin. Merci Mohamed Ben Hammou, merci Saïd Bouakba, merci Sofiane Djilali. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, salama.